On écoute le roi serpent. Tiens, nos flashs. J'ai envie de poser une ward pour connaître le puffing d'Evelyn. Non, en soi, non, y'a pas besoin. Je vais garder ma ward pour plus tard. Hello, you sexy beast. Show them who's boss. Yeah, I plan to. Pourquoi il start au bleu, lui? Il veut invade, j'espère. Bah, du coup, j'aurais dû poser une ward sur... la jungle d'Evelyn. Ah, la start bot side. Du coup, les deux junglers vont paf top, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Bon. Si je prends le niveau 2, je pourrais peut-être emmerder l'Evelyn à ses corbins. Il y a les deux botlane en pool, elle a bien start au bleu l'Evelyn. Ah non mais non, là l'invade est plus la merde, elle a start... Ah elle a pas start bleu? Ok, je join. En clip d'abord. Hop là, le petit cul flash. En stand TP, je vais ward les loups. Nice, force pas trop. Méfiez-vous d'un grand coup. Elle a l'œuf. Ok, c'est bien. Je vais récolter, je pense. On a sécurisé tout ce qu'il y avait à prendre là, je peux juste chill. Par contre, le wave state est un peu horrible. Je vais prendre au moins l'XP. Empêcher de freeze la wave. Nice. On peut drop sur la Evelyn, fast, elle a pas de flash. Elle est là. J'ai raté ma ward. Nice. Bien joué ça. Calme-toi Cimérien s'il te plaît. Je comprends ton sentiment mais pas de négativité dans mon chat. C'est tout ce que je demande. Ok, bon early game. J'espère qu'on pourra j'espère que la team pourra capitaliser là-dessus. Mais là, le Jarvan, il a une avance de fou. La Nivea, c'est pas trop le cas, par contre. Faudra que je la dise. Darius, c'est Darius, respect, respect. T'es contre Sardosh, MDR, ouais, je sais. C'est pour ça que je le full focus et je vous gank call mid tout le temps. C'est juste mon playstyle, les gars. Il a encore ses summoners, je crois. Le Ezreal est mort malheureusement. Alors, il se démène pour freeze la wave mais c'est chaud.
tranquille, je suis tranquille. Et on fait le Drake, ils ont pas besoin de moi normalement pour le Drake, je suis récall. On va faire des bottes de mercure contre leur équipe. Le Darius faudra juste le kite, ce sera pas un problème. Et ils ont beaucoup de CC avec Evelyn, Cassio et Tarek. Là si je cancel son recall et que je prends le push, il va être mad, il joue pas TP le Darius. Je peux le face check, il a 0 mana. Ok, c'est court mid là. Très très beau hook ça. Bien joué. On crash la wave et on invade. J'ai envie de taper la tour pour avoir 40 gold. Ok, maintenant je cours tout droit au mid, comme ça ils savent pas si je vais topside ou botside, mais moi je sais pas encore. Je pense qu'on va aller topside. La Evelyn, il y a moyen qu'elle face check. On la tour top, on l'oublie. Hein. L'Aldarus, il a full item. Il reste plus qu'une plate à prendre. Elle est bien, elle en effet, elle est topside. Mais elle a plus de raid. Je vais dépush ça doucement. Je suis pas pressé là. En tous les cas, j'ai une 10 gigawave, il y a crash pour moi. Merde, je vais peut-être devoir exhaust là. Je meurs pas si. Ah si. My bad, j'ai mal joué. Si j'avais exhaust son Q-spell, j'aurais pas eu la stopwatch. Pas grave, ça arrive. Ah, le bot qui meurt, c'est chiant. C'est chiant. On fait tout pour eux et ils arrivent à crever. Mais c'est pas possible! Le festival des morts inutiles? Une giga wave mid. Je cancel son recall. Ah, il le sait. Je freeze la wave, plus je cancel le recall en même temps là. J'ai pas de portail, si l'Evelyn me tombe dessus elle peut peut-être me tuer. Botlane il demande de l'aide mais pourquoi? Ah il veut push, il a peur de l'Evelyn. Ok, on peut partir sur un dive, j'ai mon ulti. Full one shot, Thresh. C'est bon, ça joue mal hein. Ça joue vraiment très mal. J'ai un double stun, punissez. Faites quelque chose. Y'a Cassio qui va arriver non? Ouais, Cassio est mid. Bon, je me démène cette game hein, mais ils arrivent à jeter le lead. Sardush en pleine rage. Après il rage souvent quand même. Y'a les Kaivlin. Freeze la wave pour Anivia.
Là je cours vers le mid. Jarvan a ulti non? Oh fuck, je suis mort. Au moins que? Il me flashait. Ok. Il faut pas laisser le plate mid. Are you joking? Merci pour le follow Nafkaz, bienvenue à toi. Le Doric c'est parti Triforce, ça m'emmerde un peu parce que ça donne beaucoup de move speed et notre moyen de le niquer c'est de l'outkite. On va rush le bot. Ok, je sais qu'il y en a beaucoup qui me découvrent à cause du fait que j'affronte Sardosh, mais follow un à la fois s'il vous plaît. Sinon il va avoir un peu trop de spamming avec le bruit horrible là. Okay. Elle aurait pu m'outplay à Samira. Hein. Elle avait juste à Z et je l'aurais pas stun. Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait. Une des raisons pour lesquelles ça me counter un peu ce champion, hein. comme Yasuo. Tu peux pas Q-spell après le ulti normalement. Là il joue mal. J'avais pas la wave, je le stunnais. Y'a Evelyn pas loin? Pourquoi il joue comme ça le Taric? Non, Evelyn a HLR mid. Ah, faut que je respecte là, je peux pas permettre de ward. Si Evelyn, je suis peut-être mort. Ah là voilà. Ouf, heureusement que j'ai récupéré le CD de portail à temps. Sardosh avait Z là contre le mur, j'étais baisé de ouf. J'ai le tirailleur. Tu t'es tiré une balle dans le pied avec cette annonce, t'inquiète, c'était prévu, c'était pour qu'il y ait un max de follow. Je rigole. Le mec il calcule tout, tu sais. Il est horrible le son de follow, ouais, je vais le désactiver en vrai. Parce que là ça va spammer. Je vais le désactiver vite, ouais. Chut! Ouais, il va pas mourir? Nice, bien joué Thresh. Vas-y, je désactive ça maintenant. Alert box, follow. Chut. Ok, j'ai réduit de 2 tiers le volume. Qu'est-ce qu'on build ensuite? On va faire de la MR. 237. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Oh fuck. Ok, là c'est le. Là on arrive dans le stade de la game où Darius va être très très fort. Il faut essayer de. Ah là, la voix de Babous à côté c'est du miel pour les oreilles. And Bandit loves you back évidemment. Merci beaucoup Zerod pour le resub. La voix de Babous c'est du miel. Mes 4 mois fait perdre des LP à l'ami Sardosh. La voix de Babous c'est du miel à côté de celle de Kesha. Qui est par ici. Faut pas laisser le Darius, hein. On peut le tomber dessus, on peut vraiment lui tomber dessus là. Hein. Il courbotte avec moi. Allez. Là en portail, Thresh. Ah mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Putain. Il y a une grosse wave top les gars. Hein. Après on peut laisser l'inhib, ça me va. Hein. Mais il faut qu'on fasse un truc bien cross-map quoi. C'est bon, il ose pas plush plus que ça. Du coup c'est juste une wave pour un de nos carry. Mais je joue la comédie Ezreal, on lui montrer qu'il est vu. Oh, il a plus de. Vas-y, ulti Jarvan, fast.
Ok, Sardoche est toujours top, on peut fight. Nice, bien joué Thresh. Ulti, je vais ulti. On peut les catch, hein. Il essaie de... Le Thresh m'a sauvé le cul avec la lanterne. Il faut que je base. Venez, on force pas, il y a le Drexo. C'est joli. Il y a une giga wave là. Je sais pas si je la dépush ou si on perd l'inhib exprès. Je pense que je laisse l'inhib tomber. Et après je prends la wave. C'est quoi, juste je me casse et on va au Drake. Laisse l'inhib, c'est bien. Surtout si on prend le Drake juste avant, genre. On peut rester dans la base pendant 5 minutes hein, si l'inhib tombe. Y'a aucun problème. Surtout si on va prendre le Drake. Laisse l'inhib tomber et viens Drake. Anivia, je te déteste. Cerveau malade là. Ah, c'est catastrophique. On va perdre le Drake à cause de ça. Anivia, paf top. Elle court top. On perd ce Drake, je suis si mad. Jarvan a plus de PV donc y'a des grandes chances. Eh oui. Trop conne la Anivia. Hein. Elle a fait 3 erreurs en même temps là. Elle vient pas Drake. Elle défend l'inhib. Regardez ce que je vous offre. Quatre erreurs, pardon. Donc elle défend pas le Drake. Elle vient pas au Drake. Elle défend l'inhib. Elle gâche sa TP. Et elle rate son stun sur la Evelynn qui est gratos. On tue assez vite. Jarvan qui a combo in. Oh bordel, c'est de l'eau. Bordel que c'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est low ce que je vois dans ma team là. Si low, il me dégoûte. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ferme ta gueule Anivia, ferme ta gueule, c'était juste ferme ta gueule, genre c'est, j'ai même pas envie de perdre du temps avec toi. Gros retard. Sardosh a dit que la Anivia pue sa grand-mère, un truc comme ça, et il a bien raison, oui. Bah là, très clairement oui. Hein. La team est pas au max, la team pue la merde mec. Et vas-y, on va gagner quand même, t'inquiète. Hey, salut Nandesjana, désolé encore pour la lose hier. Et mes bonnes. Oh non, j'ai parié sur la win, alors je suis win, bordel, t'inquiète, c'est pas lui. C'est ce que je suis frustré par l'équipe. Are you joking? Allez, on reprend la position mid, les gars. On a tout raté. Il a tout sidestep plutôt. Ouais, ça par contre il a pas sidestep. J'exhauste la Samira au moment où elle a go in. Ça aurait pu être beaucoup mieux. No flash. Thresh, il est aveugle. Frérot. Il faut défendre. Ok, next item c'est Anathema pour Darius, je pense. Are you joking? Merci pour le follow, Morza, preneur de carnet, Charlie PPG 93, bienvenue à vous tous.
Ok, il est en train de troll là. Il y a pas de flash, gratuit. L'Hérald il pue la merde par contre. Je la stun, je la surprends. Avec un Q-flash. Ok, ça l'a forcé à dashing au moins. Il faudrait que... Non, Ezreal a plus l'ulti. Il aurait pu lâcher un ulti top. On avait dit quoi, Anathema? J'avais entendu parler... J'avais entendu Sylphix parler de son stream. Eh bien, ça fait plaisir d'être ici. Merci, preneur de carnet. Grand plaisir de t'avoir parmi nous. Unfurious1506. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Are you yoking? Si tu wins, c'est sûrement la bonne humeur diff, ouais. J'espère. Et pourtant, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Hein. Nice, ça, le kill sur Darius, excellent. Let's fucking go, la team. Enfin, enfin, il se réveille, là. Il sort de champ en face, free LP, tout ça. Je dirais pas que c'est free LP, mais je pense pas... Je me souviens pas si j'ai... Est-ce que j'ai déjà perdu contre Sardosh? Oui. Ouais, je crois que je l'ai battu 3 fois et j'ai perdu 1 fois contre lui. Un truc comme ça. On finit le Drake. On se retourne. J'ai l'exhaust de prêt pour Samira. C'est nice ça. And body net of the back. Nandizjana qui gift un sub à Sardosh. Sardosh qui est sub depuis 3 mois alors qu'il a sans doute jamais ouvert mon stream. Ça fait bien ça. Nice. Ah si si, il est déjà venu dans mon chat. Et je dis faux. Bardinette, t'inquiète, ta mauvaise humeur est 100 fois plus positive. Ok. Arrêtez de trash talk ça. Arrêtez. Positif. Pas de négativité dans mon chat, please. On est gentil, on est bienveillant. Le seul qui a le droit d'insulter, c'est moi et j'insulte ma team. On peut big portail. Oh là là, très joli hook! Ah, mais c'est une masterclass. C'est une masterclass. Le Thresh. Mec, le Thresh, il est bouillant de ouf! Exhaust instant. Ah, c'est même pas close, juste on leur marche dessus. Bien joué la team, enfin ils se réveillent, je suis fier d'eux là. Vas-y, je tanque. Une barrière, ni vu ni connu. Et GG, he fucking Z man. En vrai, j'ai fait une très bonne game, je pense. J'estime avoir fait une très bonne game. Ouais, le fresh a été très très chaud sur la fin. J'en peux plus d'entendre Kesha qui hurle NDR et j'ai baissé le son de ouf hein. Et le volume comme ça il est bien je trouve. Are you joking? En tout cas tu es incroyable avec Bard, merci beaucoup Fowen, merci beaucoup. Cœur sur Thresh, il a géré à la fin. Et on est de retour en master, wouhou! Check Elvin Damage!